Ma mère me dit qu'un grand nez, c'est classe chez une femme. Tu parles, c'est facile pour elle de dire ça. Son nez est minuscule. Mais moi, pas de bol. J'ai chopé le physique de mon père. Et pour une fille, ressembler à son père, c'est con, non ? Cette histoire parle de la honte du physique. Tous les ados ont des complexes. Mais cette histoire dédramatise car il y a des passages drôles. Respect, ça parle de la honte des parents. Le héros aime et respecte son père, même si parfois il lui fait honte. Le truc avec mes parents, c'est que même s'ils ne parlent pas un mot de français, ils ne veulent pas que ça se sache. Ils font semblant de tout comprendre. Oui, madame. D'accord, madame. Cette histoire nous touche beaucoup, car ça nous rappelle certaines réunions parents-prof. Ses parents, il faut les respecter. Quand j'entends des potes du lycée parler de leurs parents d'une de ces façons, je me sens mal pour eux. Quand je vois la mère de Julien, toujours bien sapée, bien parfumée, une petite blague à raconter, je me dis qu'il n'y a pas de justice niveau parents. La mienne de mère est complètement à côté de la plaque. Ma mère a disparu dans les couloirs du bahut. Alors j'ai eu honte de nous, de mes mensonges, honte d'avoir honte d'elle. J'avais envie de la rattraper et de la serrer dans mes bras. Cette histoire nous a marqués, car même si des fois on a honte de nos parents, ben on les aime quand même. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, notre vie privée devient publique et parfois, c'est vraiment la honte. Ce qui est pratique avec la rupture Facebook, c'est que lorsque vous apprenez une nouvelle, l'univers entier semble déjà au courant. Oh, l'horreur! Quel salaud! Oh, pauvre biche. T'as vu avec qui il s'est mis ce bâtard? Bon, je t'appelle ce soir, faut qu'on débrief. Je compatis, Miss, de tout cœur avec toi. Bon, être perdue. Il va y en avoir des déclarations sur ton Facebook. Puberté. Complexe. Pff, les parents. Ado. Râteau. Oh la honte. Oh la fiche. Archouma. C'est gênant.